Moi, c'est Gerbi, j'ai 32 ans, je fais partie des responsables du groupe depuis une quinzaine d'années. On est ici au local du Red Chaos 1994 parce que c'est la date de création de notre groupe de supporters. C'est ici que les ultras de Grenoble ont l'habitude de se réunir. Notre groupe, il est composé de gens de bonne volonté qui veulent s'investir et qui veulent venir s'amuser avec nous. Voilà, on a une certaine organisation artisanale, bénévole et surtout indépendante de tout un tas de gens, notamment de notre club. Puis après, c'est surtout une base de footeux, de gens qui aiment le foot et qui suivent Grenoble à domicile, à l'extérieur, dans toute la France. L'enjeu, c'est principalement d'inculquer la culture ultra un petit peu au plus grand nombre. Une des principales choses que l'on met en avant en termes de mentalité chez nous, c'est l'antiracisme. Ça veut dire qu'on cultive cette bienveillance vis-à-vis des gens. Et à partir du moment où on est derrière Grenoble et le GF38, on est le bienvenu au Red Chaos. Ça fait des années qu'on essaye de se mobiliser pour monter un projet comme celui-ci. On y est arrivé, enfin, grâce évidemment au public, au club de foot et à la délégation qui gère le Stade des Alpes. Donc après qu'on ait fait le constat partagé par tous que le stade manque d'un côté chaleureux, de l'extérieur ça va, mais de l'intérieur on peut tous faire le constat que les murs sont un peu gris, que les sièges sont blancs, c'est pas assez chaleureux, c'est pas assez accueillant et surtout c'est pas assez à notre goût identifié Grenoble, supporter de foot. On a voulu donc faire des fresques sur les murs de l'enceinte de la tribune ouest. Pourquoi la tribune ouest? Parce que c'est la tribune populaire du stade, c'est la tribune des Red Chaos, c'est la tribune qui est le plus ancré foot du Stade des Alpes. On a réussi à monter ce projet autour de l'association Authentic Coulure, qu'on a connue grâce à Greg, qui est l'un de nos membres aussi. Greg, 44 ans, grenoblois, passionné de grave, donc du coup je suis en asso depuis pas mal de temps. On a évolué avec les collègues au sein du crew AKA Authentic Coulure. Et en même temps, passionné de foot et surtout des tribunes du foot, je suis Grenoble et je suis en tribune ouest avec le RK. Nous, on est trois peintres principaux avec Will et Dave, mais on était accompagnés de pas mal de collègues. Donc on s'est détaché déjà une première journée avec une bonne grosse équipe pour faire tout ce qui était protection et coup de rouleau. Et après, on a projeté quelques éléments graphiques qu'on a tracés. Nous, on peint la bombe, certains ont remis des coups de rouleau pour aider et avancer petit à petit. Je m'appelle Dave, mon nom de graffeur c'est Srek. Je grave depuis 25 ans à peu près sur Grenoble. Le Lyon, il a été fait pendant la première édition du festival de street art qu'il y a eu à Grenoble. On a fait un caméléon à Villeneuve, une Marianne qui mène la révolution, une graffeuse géante près du McDo de l'Aigle. Et sinon, on fait pas mal de fresques pour se faire plaisir, des commandes. Je m'appelle Will, alias Kilawan. J'ai 42 ans bientôt, j'ai graffé depuis mes 15 ans. J'ai rencontré Greg, Srek dans Authentic Color, l'association de Saint-Martin-d'Air, on va dire dans les années 98-99 je crois. Et on a refondé une association du coup qu'on a baptisée Authentic Coulure, un peu en hommage à cette ancienne association qu'il y avait à Saint-Martin-d'Air, mais celle-là on l'a montée à Grenoble. C'est un projet qui est clairement à l'initiative des supporters du GF38, amené par le Red Chaos. C'est pour ça qu'on a des zones financées par le gestionnaire du stade, relativement neutres, et des zones, une zone en particulier, Vomitoire Central, qui est financée par le Red Chaos et donc les supporters du GF38, où on a pu marquer dans le mur qui on était et pourquoi on était là. On a évidemment travaillé ça bien en amont. Ça fait quasiment un an qu'on travaille avec eux sur les repérages, les prises de mesures, les modèles et enfin la réalisation aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose dont on est très fier. On a choisi des modèles avec Authentic Coulure qui sont emblématiques pour nous et pour le club de foot et la ville de Grenoble d'une manière générale. Pour la plupart d'une partie, c'était vraiment représenter Grenoble dans le sens de la ville, l'identité, donc avec les blasons du Dauphin, les blasons des Trois Roses. Les montagnes, évidemment, plus une skyline, c'est-à-dire une image de la ville. Il y avait la date 1892 qui représentait et le foot et le rugby. Donc on est resté dans un truc qui soit homogène.
Et ensuite, on avait le vomitoire qui était vraiment axé sur nous, le groupe, sur le RK, donc avec la tête avec les lauriers et le Golan qui représente le symbole du groupe, plus un ancien symbole, la tête de mort et le mégaphone, avec les couleurs qu'il représente, et puis le Tribune Ouest, Ultra Grenoble, Red K.O. L'idée, c'est de s'approprier un petit peu le lieu, que les gens se sentent chez eux. Le graphe, le dessin, la fresque, soit vandale ou organisée, c'est quelque chose qui correspond aux gens et qui leur permette d'être présents sur le lieu et d'investir un petit peu la coursive de la tribune. Ça nous permet d'inculquer un peu ces valeurs-là aux gens qui nous suivent, aux plus jeunes. C'est à noter avec la MJC de l'Abbaye, qui est un des quartiers les plus proches du stade. On leur a donné l'occasion de venir visiter le stade des Apes, aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, de rencontrer le staff et certains joueurs du club qui reprenaient l'entraînement. Et puis ça leur a permis de voir comment les artistes qu'on avait sollicités avaient travaillé sur les fresques. C'est la date de création du club Omnisport de Grenoble. C'était foot, rugby, natation et les trois roses, qui représentent aussi la ville, avec le fond bleu. Il a choisi de ne pas peindre du tout, garder le côté pierre, béton, et là, au lieu de peindre, il a laissé le béton brut comme était le mur pour faire un effet de pierre et de 3D. C'est fait par notre collègue Srek, et voilà, première fresque. Il n'y avait pas de police imposée, mais du coup, c'est un peu moi qui ai choisi une police qui fasse un peu temple, sculpture massive, un peu. J'avais comme idée aussi de réutiliser le béton du mur pour que ça fasse une sorte de bloc de pierre, de béton qui existe depuis longtemps. La dent en or, c'est un détail. C'est Vanto, en passant, il fait « Ah, vas-y, fais-lui une chico en or et tout ça. » En fait, elle était trop blanche, moi, je trouvais. Après, j'ai un peu pris des libertés par rapport à la mise en forme. On a mis un petit effet néon comme ça qu'on n'avait pas prévu à la base sur les maquettes. C'est ludique de mettre en volume, de mettre en forme. On peut commencer à s'éclater avec les effets. T'essayes d'alterner entre des dégradés, des traits nets, tu le penches, t'appuies plus doucement, t'essayes de gérer ta pression comme tu peux. J'ai envie, moi, personnellement, de voir les regards des gens qui vont être surpris de découvrir ces murs. Et je pense qu'on pourra en retirer une certaine fierté, l'association qui travaille avec nous, mais aussi nous, le Red K.O., parce qu'on a toujours été partie prenante de l'histoire du club de foot et du Stade des Alpes. Notre histoire est aussi liée à ce stade et encore une fois, là, on espère le prouver. Le ding-dong, bah, c'est le cri de ralliement de tous les supporters de Grenoble et du RK et de la tribune ouest, quoi. Au ding-dong, toute la tribune est parée et lance un gros cri. Voilà, les connaisseurs savent, c'est notre cri de ralliement, quoi. Bah pour moi et pour le collectif, c'est une grosse fierté. Je pense que les gens vont être vraiment très contents. Ils connaissent les symboles, ils connaissent les couleurs. Ils étaient habitués à voir des murs de béton tristes. Voilà, ça met vraiment de la couleur et des symboles qu'ils connaissent, qu'ils ont en t-shirt, qu'ils ont vu en autocollant, qu'ils voient sur les drapeaux, sur nos bâches. Et ils savent que c'est nous, quoi. C'est le cœur des supporters de Grenoble, quoi. On va imaginer une petite inauguration à la fois pour mettre, c'est surtout ça, pour mettre en valeur le travail des artistes et des potes qu'on a sollicités. Mais nous, ça nous fera plaisir de montrer ça à tous les membres et aux gens de la tribune. Ça nous permet, nous, en tout cas, d'être prêts pour la reprise. J'espère que les joueurs vont l'être. On a vraiment envie de profiter de cette équipe qu'on a en ce moment et qui nous rend fiers. Et on a envie que ça continue. On a vraiment hâte à la fois de rentrer dans notre nouvelle tribune, entre guillemets, et surtout de profiter des matchs. We'll be right back.
better. I can probably do it better.